Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Le monde est dangereux à vivre. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça la relativité. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la Quatrième. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. L'imagination est plus importante que le savoir. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontars des autres. Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau, une moelle épinière leur suffirait amplement. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle.
Un problème sans solution est un problème mal posé. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. L'enseignement devrait être ainsi, celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence et j'ajouterai, Dieu merci. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Peut-être sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie de la vie sur Terre que d'opter pour une diète végétarienne. La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. La femme qui marche seule est susceptible de se retrouver dans des endroits où personne n'est jamais allé auparavant. Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. Nous vous remercions pour votre visionnage. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner puis à partager notre contenu avec vos proches. À bientôt pour une prochaine vidéo.